luchar para vencer, aunque las fuerzas nos fallarán tal vez. Tanto sufrir para ganar, y ahora por fin con nuestro Madrid podemos cantar. Es día de gloria, 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 ah. We are the champions, my friends. Al fin campeones, otra vez. Paris, on t'accule. Du verbe acculer. Paris, on t'accule. Non. Ce n'est pas un trigger, c'est une bouteille jetée à la mer avec un petit message dedans. Triste. Amer sur Paris. Capitale de la douleur qui renvoie à une douleur capitale. Paris n'est plus ce qu'elle était. La plus belle ville du monde, mais un dépôt de marchandises où tout y est dévoyé avant d'être broyé par les marchands de tapis que le Christ a jadis chassé du temple. Plus rien n'a de valeur, mais tout a un prix. Mon pays est vendu, sa capitale entretenue par des capitaux étrangers. Sous prétexte que c'est ainsi que le monde peut tourner et se retourner. On dit que le compte est bon, mais personne encore n'y a trouvé son compte. Globalisation, délocalisation, dépaysement pour tous, voyage, voyage. Le monde est devenu un petit village. Et c'est ça le message, le bourrage de crâne du nouvel âge. Ni barrière, ni barrage. Non, 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 non. Moi, j'ai pas envie de voir tout ce que je vois. L'universel entre les mains des particuliers. Une patrie qu'on sous-loue et une partie qu'on déjoue. Parce que plus rien ne nous émerveille. Ni le miel, ni les abeilles. Le Qatar à la barre. Eh bien, l'argent. L'argent, il est encore plus royaliste que les rois. Mais pour pas perdre, il faut se rendre. Il faut se faire tondre pour gagner, gagner le bon client. Voilà ce qu'on cherche tous, le bon client. Pour louer l'appartement, le bon client. Pour épouser votre fille, bon client. Et pour diriger votre sport préféré, bon client. Qatar est là pour nous faire rêvez. Vous rêvez? Paris, Paris, on t'encule. Disent tous ceux qui aiment l'OM. Et Paris gagne. Paris, Paris s'est jamais aussi bien porté. Dans les vestiaires, sur le terrain, comme sur le papier, Paris fait figure de favori, de futur vainqueur de la Ligue des Champions. Grâce à qui? Grâce aux Qataris. Enfin un club de football digne de la capitale des capitaux. Paris gagnant gagné. Pour les Parisiens qui n'en demandaient pas tant. Qui croyaient pas qu'on pouvait gagner sans péril. Et triompher de la gloire. En s'offrant. Au plus offrant. Eh ben moi j'y arrive pas. Désolée, je n'y arrive pas. Et tous les dimanches, je soutiens tour à tour Ajaccio, Nice, Marseille, Montpellier, tous les adversaires du PSG, tous. Le PSG, je vous signale que c'était mon équipe. Et je rêve plus que d'une chose, de le voir trébucher. Au nom de tous les passionnés du ballon, je dis qu'on ne peut pas tout vendre, ni tout acheter. Non, s'il vous plaît, pas l'émotion.
Je veux pas de ce sang contaminé. Le sport. Le bel effort, ça. Ça doit pas être négocié ni vicié. Je préfère encore faire partie des condamnés à la relégation plutôt que d'avoir une injonction à la Zlatan qui me fait gagner le match, oui, mais qui me fait perdre la hache et la face. Alors on me rétorque que c'est ainsi qu'ira le monde, le mondial, mondialisme. C'est pour tout le monde l'issue fatale, ok. Ok pour nos autoroutes et nos déroutes, mais pas ok pour notre clé de voûte, pas ok pour nos rêves. Enfin, pour le peu qui nous reste. Le Qatar. J'aurais signé, moi, des deux mains, si le Qatar était un digne parrain, un noble mécène. Si le Qatar s'était investi, par exemple, pour Gaza, pour relever Gaza de ses cendres et lui offrir des écoles, et puis des hôpitaux, eh bien là, oui, j'aurais applaudi. Avec un certain sens de l'honneur. Ces nouveaux seigneurs? Et si chacun mettait la main à la poche? Parisien, parisienne, on pourrait peut-être relever Gaza et construire une équipe de foot et défier toutes les capitales marchandes. Paris, Qatar, Abat les bâtards. Paris, Qatar, Abat les bâtards. Ça, oui. Espagne. PSG. Have you ever dreamed of playing for the biggest team there is on earth?